Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit épisode complètement hors sujet parce que je vais vous parler de mon projet Ulule et vous expliquer pourquoi je fais appel à votre bonne volonté pour m'aider à réunir une somme d'argent qui peut paraître assez coquette comme ça. Donc je vous explique un peu la situation. Donc là, vous m'entendez à travers le micro de la caméra qui est là. Donc si je me mets à ma position habituelle, vous voyez que le son est pas terrible, ça résonne énormément parce que je suis dans une petite pièce, c'est simplement mon bureau, là où je travaille tous les jours. Bon là vous avez peut-être aussi un bruit de fond, parce qu'il y a les gamins qui s'excitent à côté. J'ai envie. Et une des raisons pour lesquelles j'ai besoin d'investir, c'est tout simplement pour améliorer la qualité de la capture son et de la capture vidéo. J'utilise pour l'instant le matériel du Basecamp, je ne peux pas leur dire. Hein. Et donc du coup j'ai commencé à investir, donc dans un premier temps... J'avais essayé avec un micro-cravate et depuis, je me suis commandé un joli petit micro Sennheiser qui est pas mal du tout, qui se connecte en XLR directement, en filaire. J'ai pas voulu m'emmerder à mettre un système sans fil puisque de toute manière, je suis jamais à plus de 2 mètres de la caméra. Et surtout, la prise de son principale qui passe par un micro-canon, un Sennheiser également, un MK2. Et je l'ai branché sur une perche. Attendez, je vais vous montrer ça sera plus simple. Hop, si j'arrive... Donc voilà le micro, la perche, vous voyez le magnifique éclairage que j'utilise pour compenser le manque de lumière de cette pièce. Donc c'est en fait un support qui est prévu au départ pour un deuxième éclairage du kit que j'avais acheté sur Amazon et je l'ai bricolé de manière à en faire un bras micro. Et ici j'ai mon assistant réalisateur qui surveille le bon enregistrement du son. Donc la caméra elle est montée sur un joli pied. Alors c'est un Benro, c'est une chinoiserie qui est une espèce de plagiat d'un Manfrotto qui est du matériel très haut de gamme. Et donc du coup je ne l'ai pas du tout payé le même prix et je suis assez bien, j'ai la bonne surprise de voir que ça marche plutôt bien. Gros intérêt de ces pieds là, c'est qu'ils ont une compensation, ça évite que quand on penche vers l'avant la caméra finisse par se casser la gueule, il y a une compensation. Et c'est une tête fluide, donc on peut vraiment faire des mouvements très très souples. Alors évidemment, comme je me filme à plan fixe, ça n'a aucune importance, mais c'est pas grave. Et juste en dessous ici, j'ai mis une fixation pour mettre l'enregistreur zoom. Donc là, j'utilise pas les micros intégrés, j'utilise le câble XLR du micro Sennheiser. Donc ça m'enregistre le son avec une bonne qualité. Donc d'habitude, je peux brancher le micro cravate sur la deuxième entrée XLR, ça me fait un backup. Alors j'utilise le micro cravate en backup pour une raison très simple, parce que en fait c'est un micro qui a une courbe de réponse complètement plate, et en fait un micro cravate ça capture surtout les graves, il y a la caisse de résonance du corps, donc du coup il faut mettre une courbe de compensation en atténuant les basses, en augmentant les aigus, donc tant que celui-là me fait une capture correcte, je m'en contente très bien, ça m'évite des manipulations. Mais comme j'ai déjà eu plein de soucis avec les captures audio, aussi bien pour les conférences que pour mes propres enregistrements, je préfère avoir une sécurité et au pire utiliser le son de la caméra. Ça m'est déjà utilisé lorsque je fais le guignol en me déguisant. Vous avez dû remarquer la qualité du son d'ailleurs qui se dégrade. Des fois il y a un truc qui merde, mais comme ça au moins j'ai toujours cette solution. Et enfin, la troisième raison pour laquelle j'ai demandé votre contribution, c'est parce que cette caméra qui est ici, elle me fait des misères. Jusqu'ici elle m'affiche un message d'erreur qui a l'air d'avoir disparu, mais en attendant j'arrive plus à récupérer les films sur la carte SD si j'enregistre plus d'une demi-heure. C'est assez intéressant, donc je suis obligé de couper par tranche d'un quart d'heure et à faire le montage derrière. C'est assez sport, c'est pas la fin du monde, mais enfin ça m'a obligé à refaire un enregistrement complet pour l'épisode 2. Et donc je veux en profiter non pas juste pour racheter un caméscope, mais pour passer à la vidéo sur boîtier réflexe. Le gros avantage des réflexes, c'est qu'on peut jouer sur les optiques, en particulier on peut jouer sur la profondeur de champ. Donc ça veut dire que quand je fais des plans, comme j'ai fait pour l'épisode 1 où je me mets là, à la Karim de Vache à me parler à moi-même, et ben on peut faire un joli flou derrière pour changer les perspectives et bien différencier les deux personnages qui n'en sont qu'un mais pas tout seul dans sa tête. J'ai envie de me faire plaisir au niveau du montage et de la mise en scène, donc du coup je voudrais en profiter pour expérimenter avec ce type de matériel. En tout cas sur Ulule on a dépassé les 2000 € et franchement je vous remercie que vous soyez un gros contributeur ou juste quelqu'un qui a sorti sa carte de crédit pour 5 €, mais vous avez fait l'effort de sortir la carte de crédit. Et c'est pas rien, je vous remercie beaucoup
Et j'espère qu'on va arriver au bout. Donc, je vous encourage à partager avec vos amis, avec vos collègues pour faire connaître la chaîne. Il reste quelques jours, c'est tout à fait jouable. Donc, je compte sur vous. Bye bye. Allez, musique, maestro! Allez, roulez, jeunesse! Mais viens, mamie, viens! Ah, je me sens comme une couille dans un sloggy, là! Comme un cochon dans la merde! Allez!